C'est un récit dans lequel tout est vrai. Tout, tout, tout. C'est-à-dire même ce que c'est les plats préférés, j'ai cherché la plaque d'immatriculation de sa voiture, son téléphone, tout. Tout ce qui est politique, bien sûr, est vrai, tout ce qui est historique. La seule chose sur laquelle j'ai un peu brodé, c'est Marguerite, puisque lui, il lui a écrit 700 lettres, et elle lui a demandé de brûler les siennes, celles qu'elle lui écrivait. Donc on n'a pas beaucoup de traces de Marguerite, mais j'ai travaillé quand même avec toute la famille et toute la descendance de Marguerite pour savoir un peu comment elle était, comment elle vivait les choses. Et j'ai eu les témoignages de ses petits-enfants. Je voulais faire quelque chose de grand public, de pas rebutant et de plutôt marrant. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais.